Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va résumer un let's play très particulier d'Elden Ring. J'ai hâte de vous montrer ça. Mais avant de commencer, segment sponsor, en effet, un grand merci à Alienware qui soutient la chaîne depuis maintenant quelques années et qui m'a demandé de vous parler du Black Friday. En ce moment, il y a des réductions, il y a des très bonnes promos sur la gamme Alienware et notamment le Aurora R13. On a jusqu'à moins 20% de disponible. C'est notamment le PC de jeu que j'utilise depuis un bon moment et il tourne plutôt bien. J'ai mis le lien dans la description si vous souhaitez profiter de ces offres. Et en plus, un petit bonus, Alienware m'ont donné un code à vous partager. Et en fait, pour les plus rapides d'entre vous, vous pourrez avoir un 10% supplémentaire sur les produits Alienware que vous souhaitez vous prendre pendant ce Black Friday. Alors le code, je vous l'affiche là maintenant, c'est ALPHACAST10AW. Va falloir être rapide parce que les 10 premières personnes qui utiliseront ce code pourront en bénéficier. Et sinon, il n'y aura pas d'autres utilisations possibles. Donc, c'est vraiment pour les plus rapides. Il y aura un petit 10% supplémentaire pour toutes ces promos du Black Friday chez Alienware. Voilà, donc merci encore à Alienware qui sponsorise cette vidéo et qui soutient la chaîne et mon projet depuis toutes ces années maintenant. Je vous laisse maintenant avec le contenu sur Elden Ring. Bon visionnage. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parés au combat. Ça va être drôle, je pense qu'on va beaucoup rigoler. Déjà, ça part en couille dès l'outil de création de personnages. Vous allez voir. Allons-y. Cette musique. Quel plaisir. Alors là, vous allez voir. Donc là, vous vous dites, so far so good, c'est classique. Sauf que... LOL. L'équipement est randomisé de base aussi. L'homme sandwich. Gérard Niam. Proctologue. Geneviève de Fontenay. Shrek. Sac poubelle. Robin Dupré. Méchant vénère. Chonky. Antoine. Il y a combien de classes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 classes ! Très bien, mesdames et messieurs, nous allons faire quelque chose de très simple. Je vais aller chercher un D10. Le D10 est là, mesdames et messieurs. C'est un 5 ! Oh putain, astrologue. Le nom, John Rando. Équilibre du visage. Oh bah, déséquilibré, hein. Oh, kawaii, Daphné. Kawaii. Eh ben, allons-y, hein. Mesdames et messieurs, ça va être une expérience incroyable. Putain, qui sera le premier boss, du coup? Oh, putain, non, non. Ah, ils me mettent cette saloperie. Ah ouais, non, c'est pas rigolo, hein. Ah ouais, non, mais les copains... Ah ouais, yes. Yes. Adieu. Oui. Jean-Michel Bruitage. Show me what you got. Le tonk. Vraiment littéralement un tonk. Oh non, c'est chiant. Oh non, c'est chiant de ouf. Non. Oh, c'est chiant de fou. Arrête. Au secours. Viens. Putain, mais on dirait qu'il est scripté pour casser. Ah, putain, mais je savais pas qu'il pouvait faire ça. Au secours. Viens là. Tu tombes, frérot. Frérot. Voilà, salut. Ok, donc qui sera le boss? Oh putain! Ah oui! Ah d'accord! Ah, c'est pas marrant ça! Il tape un peu fort quand même! Voilà.
C'était le boss du tuto, mesdames et messieurs. Je fais en chier de fou. Heureusement que je suis astrologue, hein. C'est qui ça? Ah ouais, il a changé le cavalier du début. Eh, hey, n'aie pas peur de toi, je vais te tuer. Oula, Roderica, elle a changé les tendances, on est parti sur du BDSM un peu là, je crois. Elle est hardcore maintenant, hein. Elle est métal, hein, Roderica. Bon bref, on to market. Putain, alors là, les potes, je me demande vraiment quel boss on va avoir. En fait, le problème, c'est que le début du jeu, il va être dur parce qu'on va avoir beaucoup plus de chances de tomber sur des ennemis vraiment vénères que des ennemis faibles. Bah ! Ok, d'accord ! Let's go. Ok. Bâton d'éclat de Caria. Malédiction du semi. Ok, d'accord, super. Si on veut faire la quête du coco fraîche. On va aller à la table ronde juste pour voir les PNJ. Ok, donc le moine, il a un look... Oh ouais. Je la vois, ouais, bien sûr. Wow. What? Ah, ils vendent les fils putréfiés. Les griffes bestiales de Gurank. Flamme protège-moi. Étoile Delten. 52 fois il faut. Mais c'est bien fait parce que il vend quand même des miracles, hein. Enfin des incantations. Rejet, floraison écarlate d'ivoine. Ta fuck, ils vend le spell de Malenia. Souffle de magma, putain, pas mal. Et t'as pas besoin de cœur de dragon pour acheter ça. Ah, ça c'est incroyable. What the fuck. Wow. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Dialos, il a changé de look un peu. C'est Bob Lennon, j'avoue. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Bon, ouais, ils ont pas changé. Qu'est-ce qu'ils vendent alors? Ouah, toutes les graines dorées. Ah oui, mais il y en a 600. Oh, ça dégoûte. Tenue de parfumeur. Lame d'ébène de Maliquette. Quoi? Comment? Combien? Ils vendent la lame d'ébène. La lame d'affûtage noir, ok. La lame d'affûtage sanctifié, clé lame pierre. Rune de la restauration de l'ordre suprême. Quoi? Incroyable. Sacoche à talisman. Mais putain, mais quoi? Mais y'a des items de fou ici. Peau fissurée pour rituel. Lame cristal de pourpre fendu. Ok, et plein de graines dorées. Une larme de vie aussi à 600. Oh ouais, non mais en vrai, c'est insane là, tout ce qu'on peut acheter là. C'est trop bien. Bah let's go, hein. Vois l'orage. Oh, y'a une méduse. Ah mais attendez, mais du coup, ils vont plus me tirer dessus. Hein? Putain, mais c'est un boss ça normalement. Au secours en fait. C'est quand même problématique, hein. Ce que je vois là. What am I looking at? Je crois qu'il est pas fait pour être là ce mob, hein. Putain de merde. Vous pensez, hein? Vous pensez aussi? Moi je crois qu'il est pas fait pour être là. Ah mais du coup c'est un trash mob qui va respawn ça? Ma vie c'est de la merde. D'accord. This happened. 1800 âmes. Pas mal. Voyons voir s'il respawn, mesdames et messieurs. Oh, il respawn. Ok, on va passer de l'autre côté. Alors par contre, quel PNJ va être avec nous? C'est la question. Bon bah, plus facile que le chevalier énervé dans le jeu de base. Aiguille d'or pur. Quoi? Mais je peux plus en sortir? Ah non. Attends, mais... Ah, je dois passer par l'entrée principale, du coup.
Lui non plus, je crois pas. Ok. Ok, c'est le bordel. Oh, le bordel. Aïe. Aïe. Oh non, pas elle. Aïe. Oh putain, quel enfer. Beau, ça j'en règle. Au secours! Laisse-moi, saloperie! Mais what? Mais y'a Alexander! Qu'est-ce qu'il fait là, Alexander? Allez, let's go. Bon bah, votre avis, qui pour Godric, chat? Alors, qui on va voir? Who's that Pokémon? Arrêtez vos conneries. Mais putain, c'est la Elden Beast. Je suis mort. Dragon. C'est le boss de fin du jeu. Air. Ça casse les couilles. Merde. Ah, on va voir les effets de la chimère ailée. Ah, adieu la chimère. Au secours! Ah oh mais à l'aide, mais putain, mais c'est trop la merde aussi, ça suffit. Oh, c'est trop dur. Ok, alors là il se lève en l'air. Hein? Oh, il a bugué. What the fuck, il a bugué là. Il a comme celle d'attaque. Ah là c'est pas comme ça. Ok frérot, on va se détendre peut-être. Mais il est caché, il me casse les couilles, tu m'emmerdes, sors de là, tu me fais chier tout cela. Mais t'es un gamin, t'as 8 ans là, arrête. Il a bugué. Oh ouais, alors là, oh non mais ouais, ça va la bombe, c'est la bombe nucléaire. Mais regarde, l'écran il est entièrement en explosion. Comprends plus rien ce que je vois. Au l'écran, je vois que de les explosions. Je suis mort. Je voyais juste rien. C'était le 14 juillet. Quelque chose, ça va le stream? Vous arrivez à comprendre à peu près l'action? Moi ça va. La caméra elle est... Oh putain, je vais tomber. Oh, voilà, c'était incroyable. Oh, on aurait dû faire un screenshot. Oh, il a bugué. Oh, c'est gagné, il a bugué. Ah non, il a pas bugué, il bouge. Ok. Non, c'est pas le moment. C'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Au secours. Toujours plus. Mais par pitié. Oh, oh. Oh, oh, on a survécu à ça? Ah, dans quel monde? On a survécu à cette merde? Alors là, vraiment, je ne donnais pas cher de ma peau.
ça va, je gère, je vois tout ce qui se passe. Ah merde, là faut se casser, je crois. Yeah. Oh, oh. Ah là, il va décoller. Là, c'est le départ du le Concorde. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Putain de merde. What the fuck is happening? Ah, oh, j'ai gaspillé de l'huile. Allez, on y est presque. Oh putain, à l'aide. Aïe, aïe. Yeah. Allez, last chance. Come on. Come on. Let's go. Quel enfer, quoi. Bon bah les potes, on a battu l'Elden Beast, c'est magnifique. Et ça vous plaît hein? Moi en tout cas je trouve ça rigolo. Et puis je suis content de rejouer Elden Ring et puis ça permet vraiment de découvrir le jeu d'une autre manière. Putain, j'ai trop hâte de voir quels sont les prochains mobs, les prochains boss qu'on va affronter. Ça va être un délire quoi. Je vais vous laisser là les copains, je vous fais des bisous. Bon bye.